Et c'est tout le monde, c'est magnifique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competition. J'ai pas fait encore ce jeu sur ma chaîne, mais pourtant, il est vraiment très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit gameplay. On va faire une petite course en solo et c'est parti. Donc, cette course, on va la faire sur le circuit de Zolder avec une McLaren 650S. GT3, j'avais testé vite fait, et elle est vraiment sympa à conduire, surtout sur ce circuit que j'aime bien, mais qui est quand même assez difficile. Et on est parti pour la séance de qualification. On va faire quelques petits tours ensemble, et sinon je ferai quelques tours de mon côté pour essayer de faire un petit temps. Donc là j'allume la voiture. Ah mince, il faut mettre le contact. Voilà, là c'est mieux. Donc les rétroviseurs qui sont peut-être un peu mal réglés quand même, je peux pas les régler, c'est dommage, enfin je crois. Donc on va y aller comme ça, espérons qu'il n'y a pas de voiture. Non, c'est bon, j'ai eu de la chance. On n'oublie pas le limiteur de vitesse au stand. Et après on peut partir. Donc j'ai déjà testé vite fait pour voir un peu si le niveau de l'IA était bien réglé, pour voir surtout aussi le circuit. Parce que j'y avais déjà joué avant sur ce circuit, mais ça fait un petit moment, donc faut se réhabituer. Il est vraiment pas facile. Donc cette chicane là qu'il faut surtout pas la rater ici, et que j'aime bien. Je trouve elle est agréable à passer quand on freine bien et au bon moment surtout. Là aussi il y a une deuxième chicane aussi que j'aime bien. Par contre celle-là aussi elle est dure. Il y a un petit espèce de dévers au premier virage de la chicane. Et qui nous aide un peu à tourner. Et après là une épingle. Faut bien. Faut pas freiner trop tard sinon. On perd beaucoup de temps. Après, il y a encore une chicane. Voilà, un peu plus rapide. Et après, on va à la ligne d'arrivée, voilà. On va faire encore un petit tour. Après, je ferai des tours de mon côté. Ce virage que je trouve assez difficile quand même. Parce que j'arrive pas trop à me donner un repère pour freiner. Et celui-là aussi, c'est pareil. Du coup, en général, ceux-là, je les passe pas très bien. Et aussi le point de corde qui est difficile à aller chercher. Pour moi, en tout cas. Et ah oui, il y a aussi ce virage qui est aussi difficile. Bon, là, je fais vraiment n'importe quoi. Je suis pas trop concentrée. Mais ces trois virages du début, là, je les aime pas trop. Et après, le reste, je préfère. Tac. Là, j'ai bien passé la chicane. Là, j'ai freiné un peu tôt quand même. Attention. Il y a peut-être beaucoup de contrôle de traction, je sais pas. Ouais, il était sur 6. 6, c'est beaucoup quand même. Je vais me mettre à 4. Ah ouais, j'ai tourné un peu trop tard. Et voilà un petit temps, ouais, plus 4 secondes, je suis carrément en retard. Mais bon, je fais encore quelques tours de mon côté et on se retrouve pour la course. Et donc on passe à la course, donc j'ai été disqualifié parce que j'ai fait un excès de vitesse dans les stands. Donc là je suis dernier, bon là je sais pas pourquoi il met un pseudo bizarre. Voilà, on démarre le moteur. Ouais, donc je suis bien dernier. Donc là on va rouler après pendant 100 mètres et après on va commencer la course. Donc il y a un système, je crois que ça s'appelle rating, qui nous maintient derrière la voiture de devant même quand on a la pédale à fond. Là ouais,
Donc là, j'ai dû me mettre à droite parce que là, j'ai un peu trop accéléré. Donc là, j'étais à fond. Et on démarre la course. C'est parti. Donc on a doublé l'autre. Je sais pas, il a fait un mauvais départ. On double la Nissan GT-R. Freinage un peu tardif. Oula, là on a fait quelques dépassements un peu gratuits. On va essayer de doubler peut-être la Lambo, je sais pas. Là c'est chaud. Attention à la chicane ici. Voilà, on est tous serrés. Là on passe à 2 sur la chicane. Là j'étais en 3, ça va pas. Et la deuxième chicane. Derrière la Huracan. Ça rime, c'est magnifique. Si on va. Ah ouais, non mais. Ils font des zigzags. Ouah, mais regardez! Ils vont à gauche, à droite. On sait pas où ils vont. Mais j'ai quand même réussi à les doubler. Bon, là, on va essayer, je sais pas. Ouais, quand même. J'ai tenté. Ah, c'est chaud. Ça va, on double. Je crois qu'on est 16e. On remonte tranquillement. Je crois, au début on était 26 ou 27e, je sais plus. On va peut-être doubler la Stone qui fait un très beau bruit. Je crois que c'est un V8, il me semble. Et on l'a doublé. Là, ouais. Quand on est beaucoup... quand on est tous agglutinés, là, dans une chicane... Ça passe, on la passe pas très vite. Waouh! Et le changement de direction, à chaque fois ils font ça. Hein. Genre quand on veut prendre l'intérieur, sur ce virage là, ça, tout à l'heure la Nissan GT-R elle a fait ça aussi. Je veux doubler, on est à l'intérieur et tout d'un coup au dernier moment là, il se rabat. On a quand même réussi à le doubler. Donc là, on est 13e. On continue notre remontée. Oula. Ah ouais, mince. Un peu bête. Ça nous fait perdre du temps. Là, ouais, en vrai c'est bien une Porsche que qu'il y a là. Je pensais que c'était une Ferrari de loin. J'ai l'impression que ça bataille bien devant, ça change de trajectoire toutes les secondes. Donc nous du coup on va faire attention. Ouais, ça a bien freiné à la sortie du virage. Bon, ils sont comme ça un peu les IA. Dans tous les jeux, il y a toujours un petit problème dans les IA. C'est toujours comme ça. Donc là, ok, c'est bon. Il s'est pas remis à l'intérieur pour une fois. Et on se fait un double dépassement. Ouais, il me semblait bien que j'étais pas en première.
Là. Ouais, là, c'est le. Comme il vient de le dire, c'est le milieu de la course. Et on est 9e. Apparemment, là, c'était notre tour le plus rapide. Attention, faut pas faire d'erreur, sinon la toute la course elle serait ruinée. Ça serait un peu dommage. Ah là, j'ai mieux pris le virage. Ah ouais, non, mais ils sont trop loin. Surtout, ils me. Ouais, ils étaient déjà deux. Il y en avait un à l'intérieur et un à l'extérieur. J'avais pas la place pour doubler. Mais l'autre là qui a raté un peu son virage. Un peu comme moi d'ailleurs. Du coup, je double. Je vais pas essayer de le doubler, c'est trop dangereux. Ok. Au freinage, encore une fois. Donc là, on est 6e. Il y a moyen peut-être qu'on termine premier, je sais pas. La McLaren, la même que moi d'ailleurs. Avec la Spi. Salut. Je crois que j'ai freiné comme tôt. Hein. Ouais. Ouais, j'ai freiné beaucoup trop tôt. Mais bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, pendant les qualifs, que d'ailleurs ils ont servi à rien parce que j'étais disqualifié, mais bon. Les trois premiers virages, j'arrive pas trop à trouver un point de repère pour le freinage. Bon, je freine un peu au pif. Non, peut-être j'aurais dû rester en deuxième, je sais pas. En tout cas, je réduis l'écart de celui qui est devant moi. Peut-être là. Ah, je force quand même. Hein. Une petite Porsche devant moi. À l'erreur. Mais en même temps, ce virage, il est assez compliqué. Parce que si on tourne trop tôt, on se prend le vibreur qui fait très mal. Si on tourne trop tard, bah on perd beaucoup de temps. Donc dans tous les cas, c'est pas évident. Je trouve qu'elle est vraiment agréable à conduire, cette 650S McLaren. Hop. Il m'a forcé à aller de l'extérieur. Je vais le doubler là. Ouais, il me semblait que j'ai un peu trop poussé loin. Ouais, c'est un peu. C'est pas très beau, mais ça passe. Ok, je suis 3e. Ça va être très chaud. Il reste 48 secondes. Ça va être très chaud pour être premier. Wow. Pardon. Voilà. Le mec qui... Vraiment, ça se fait pas ce que je fais. Désolé. Hein. Bon, au moins, moi, je suis pas parti en tête à queue. Et lui non plus, d'ailleurs. Ok, il nous reste un tour pour doubler celui qui est devant. Allez, on peut le faire. Ça va être chaud. Oula, j'ai rétrogradé en plein virage.
Oula là là. J'ai l'impression qu'il y a une perte d'adhérence. Voilà, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai pris le sable. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je vais aller trop vite, mais du coup, je vais trop lentement. Bon là, du coup, j'ai été trop lent. Bon, pour la première place, hein, il faut un peu l'oublier, c'est pas grave. En tout cas, c'était quand même une belle course. J'ai fait une dernière position, presque la première. Hein. Je crois que c'est une BMW qui est devant, la première. Et voilà, on termine cette course. Vraiment pas mal. Voilà. Ouais. Donc une deuxième position, en sachant que j'ai commencé 27e. Ça va quand même. On va essayer juste de doubler celui qui est devant, même si ouais il est au ralenti. Juste pour le fun, hein, en mode. Ouais, salut. Ouais, c'est quand même une belle course. Je me suis bien amusé. J'ai quand même bien touché. C'était limite des une course d'auto tamponneuse, mais bon. Ah, y a des espèces de fumigènes, c'est assez stylé quand même. Bon là je crois on fait le tour entier, le tour de refroidissement. Voilà, et on rentre dans les stands pour aller normalement au podium dans la vraie vie, mais bon là ça va pas à ce point là quand même sur cette Corsa, sur ce jeu. Là, je vais mettre le pit limitator, tac. Ah ouais, mais quand même ça va hein. Ça va un point. Je pensais que la course, genre, elle s'arrêtait comme ça, paf, et voilà. Mais il me semble j'ai activé le tour de refroidissement dans les paramètres. Et ah ouais, non, on va juste au stand. Ça serait vraiment très très bien fait si on aurait carrément un emplacement en mode premier, deuxième, troisième. En fait, je sais pas si c'est comme ça en cette compétition là de blanc peint. Mais en tout cas, en Formule 1, c'est comme ça. En tout cas, bref. Voilà, on va se mettre de l'extérieur. Ah, mince, je suis un peu trop... On va redémarrer. Je suis peut-être un peu trop en avant. Tac, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo avec cette McLaren que... Oh, il y a une file de McLaren derrière moi, c'est incroyable. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Une petite course qui était quand même pas mal de d'action avec pas mal de dépassements assez chauds. Et aussi des collisions, il faut le dire. Hein. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!